Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer l'ordre de grandeur d'un produit. Alors l'idée, c'est d'utiliser le calcul mental et vous allez voir, c'est très simple. Alors vous devez calculer un ordre de grandeur de cette quantité, c'est-à-dire vous devez savoir à peu près à combien cette quantité-là, ce produit, est égal. Alors regardez, 0,0294. Cette quantité-là, vous pouvez dire que c'est très proche, et attention, vous devez utiliser ce symbole, qui veut dire à peu près égal, de 0,00 et... Vous prenez la valeur, le nombre hein, qui est un peu plus au-dessus et qui est facile à manipuler. Ça doit être un ordre de grandeur, c'est un nombre qui est facile à manipuler. 0,0300, c'est facile. Et en réalité, 0,0300, c'est la même chose que 0,03. Vous savez qu'ici, vous avez deux zéros qui sont inutiles. 6,987. 6,987, on peut dire que cette quantité-là, elle est très proche de 7. D'accord? Ainsi, si vous devez calculer votre ordre de grandeur de ce produit, vous allez dire que c'est à peu près égal, très proche de 0,003 multiplié par 7. Voilà tout. Maintenant, vous devez calculer cette quantité-là. Rien de plus simple, on pose la multiplication. 7 fois 3, 21. Donc je pose le 1, je retiens 2. 7 fois 0, 0, et je mets le 2. 7 fois 0, 0, 7 fois 0, 0. Combien y a de chiffres ici après la virgule? Il y en a 1, 2, 3. Donc je décale ma virgule de 1, 2, 3, et voilà mon résultat. Eh bien j'obtiendrai finalement comme résultat 0,021. Petit piège, ne mettez pas à peu près égal à 0,021, puisque 0,021 c'est bien égal à 0,03 fois 7. Donc là, si vous avez envie, vous pouvez écrire que c'est un égal. Par contre, cette quantité-là est à peu près égale à 0,021, tout simplement. Voilà pour le petit calcul. Donc, ordre de grandeur, vous prenez un nombre facile à manipuler qui est proche de celui-ci, c'est ça un ordre de grandeur. Vous prenez un nombre facile à manipuler proche de 6,987, et vous utilisez ce symbole à peu près égal, 0,03 fois 7, vous le calculez, et vous avez un résultat ici qui est proche de ceci. On aurait pu le faire de tête. Comment est-ce qu'on aurait pu faire de tête 0,03 multiplié par 7? Eh bien, regardez, 3 fois 7, 21. Combien il y a de chiffres après la virgule? 1, 2, 3. Je décale ma virgule de 1, 2 et 3 rangs. Que voici. Voilà tout, tout simplement. Je vous remercie et à bientôt.